aujourd'hui pour une petite vidéo pour faire une page scrap sur la photo de mes petits-enfants, comme je vous avais promis. Donc voilà, c'est pour ces trois photos-là. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc c'est les trois photos ici, les trois photos d'école. Donc que je ne vais pas recouper, je laisse tel quel. Donc là, comme le fond est bleu, je vais partir sur un camaïeu de bleu pour faire ma page scrap. Bon, je vais la faire assez simple puisque je vais la mettre dans un cadre. Donc il ne va pas y avoir de fleurs ou des choses comme ça. Je veux juste faire vraiment un encadrement assez simple pour les avoir tous les trois sur mon mur, mais en une seule fois. Voilà. Donc je vous montre la page principale que j'ai choisie. Voilà. Et c'est une page avec du foil bleu qui sort de ce bloc action, celui-là. Donc j'ai sorti un peu des papiers là pour mettre autour de mes, comment on appelle ça, je commence déjà à oublier les mots, pour mettre autour de mes photos. J'ai déjà oublié le mot. Si je le retrouve, je vais vous le mettre ici en dessous. Voilà, donc j'ai sorti du bleu comme ça, j'ai sorti du bleu comme ceci, j'ai sorti également des choses comme ça, pour mettre un peu de, peut-être ça, je vais voir. Bon, je vais voir ce que je vais faire. J'ai ça aussi que j'aime bien, et peut-être du ruban, je ne sais pas. Donc voilà. Alors, je vais vous baisser. Hop, voilà. Et je vais voilà, pour que vous voyez un peu ce que je vais faire. Voilà, normalement, ça devrait aller. Donc, pour l'instant, je vais mettre ma grande page de côté. Et je vais m'occuper de ces pages ici. Donc, pour ça, je n'ai toujours pas retrouvé le mot, hein, pour l'instant. Alors, je vais mettre du double face. Bon, là, je vais quand même mettre du action. Mais bon, il n'y a pas de souci puisque ce sera dans un cadre. Après avec une vitre, donc ça bougera pas. Je prends ça pour mettre en dessous pour pas abîmer les photos, parce que mon tapis est quand même assez abîmé. Mater les photos. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Je vais mater mes photos. De temps en temps, il faut que la mémoire se remette. Qu'elle se remette d'aplomb, hein. Un petit bout au milieu.
Donc on laisse 2-3 mm de chaque côté. J'ai plus qu'à couper. J'ai bougé. Les petits bouts me serviront pour faire des découpes. Voilà ce que ça fait. Et donc là, le blanc, je vais regarder si j'ai du bleu, mais je ne suis pas sûre. Dans mes mini distress, ça c'est un vert. Pas sûr d'avoir un bleu. Ah si, j'ai un bleu. Ça va. Et là, je vais ancrer les bords en bleu pour pas qu'on voit le blanc de la découpe. Je veux vraiment rester dans les tons bleus. Voilà. Donc voilà une de faite. Donc ouais, mais sur le côté. Une deuxième. J'accélère pour les deux autres photos. Voilà. Alors, on va reprendre la page principale pour voir ce qu'on va faire. Comment on va placer les photos. Voilà. Bon, ensuite, faut que je vois ce que je vais mettre.
Bon, c'est pas très droit ça. Ce n'est pas très droit ce que j'ai fait. Voilà. C'est mieux. Et ce qui est dommage, c'est que ça ne fait pas tout à fait, ça fait pas 30 et demi. Donc j'entends en bas Chouchou qui se bagarre avec Pacha, qui veut pas manger. Ah là 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 là. Je voulais la faire à la main, mais je fais des bêtises. Voilà, maintenant on va commencer à tout coller. Ah, mince, j'ai oublié l'encre. Faut toujours ancrer tous vos morceaux de papier, vos photos, pour pas qu'on voit le côté blanc. C'est plus joli. Voilà. Oui. Coller ma pépette. Non, j'ai un autre truc à coller avant. Bon, ça y est, je vais déjà mettre le double face. Voilà. Donc elle viendra ici, ça viendra là, donc je vais l'ancrer.
Et voilà, maintenant on peut tout coller. Bon, ça fait une page un peu déstructurée, simple, je trouve. Voilà ce que ça fait. Donc, je voulais voir un truc. Est-ce que c'est dans celui-là? Non. C'est peut-être dans celui-là. Je ne sais pas si j'ai ce qu'il me cherche. Je ne sais pas. J'avais acheté ça au salon à Carbin. J'avais été avec Coco. Je ne sais plus à quelle vendeuse. Alors, par contre... il aurait fallu que... que je mette sur un papier plus... Je colle sur un truc comme ça. Du coup, ça me... ça m'enlève ça, mais bon. J'ai utilisé ma colle à bijoux. Pareil. J'ai pris la première qui venait. Un petit peu d'encre autour. Il n'y a plus qu'à le coller.
super. Super, super, super. J'ai plus qu'à marquer à la main l'année en tout en bas. Et voilà. Voilà, ma page est terminée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, attendez, je vais vous relever un peu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Dites-moi. Voilà pour aujourd'hui. Donc c'était ma petite page de scrap pour mes petits enfants. Donc maintenant, j'ai plus qu'à aller chercher un cadre et la mettre au mieux. Oh, je vous vois pas. Attendez, je vous vois pas. Oh, je suis coincée. Hop, coucou. Voilà, je vous vois mieux. Donc voilà, j'ai plus qu'à aller chercher un petit cadre. Et puis aller mettre au mur. Comme ça, je les aurai tous les trois en même temps. Un petit papier qui a collé derrière, mais c'est pas grave. Voilà, ben écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît ou pas. Voilà. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Gros bisous.